Parfois assise, parfois au square ou en poussette sous le regard réprobateur des vieilles dames qui de leur temps étaient si femmes. Souvent debout, parfois saoulée et bien souvent désabusée. Une liste de courses dans la tête, un tas de choses qu'elles n'ont pas faites. Les mamans fument plus que les pères, les mamans fument et se libèrent. Les mamans soignent et elles assument la parité. Aux anniversaires, autour d'une clope, elles partagent leur galère. Trouver enfin le bon pédopsychiatre, baver encore sur ces gens à abattre. Le prochain confinement, pourquoi pas un amant? Et cette séparation, et ces foutus boutons, les kilos pas perdus. Mais se libèrent, les mamans soignent et elles assument la parité. Alors elles fument. 3, 4. Les mamans fument plus que les pères. 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 Bravo, vous êtes magnifiques. Super, merci. Elles fument en cachette, mais un jour elles arrêtent. Car le petit dernier leur a dit qu'elle puait, jusqu'au jour où Boubou a ramené des poux. Après 22 lessives, elle se rallume une tige. Les mamans fument plus que les pères. Les mamans fument et se libèrent. Les mamans soignent et elles assument la parité. Alors elles fument. Merci.